Zacharie, chapitre 6. Je levai de nouveau les yeux et je regardai. Et voici, quatre chars sortaient d'entre deux montagnes, et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Au premier char, il y avait des chevaux roux, au second char, des chevaux noirs, au troisième char, des chevaux blancs, et au quatrième char, des chevaux tachetés rouges. Je pris la parole et je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Qu'est-ce, mon Seigneur ?» L'ange me répondit, « Ce sont les quatre vents des cieux qui sortent du lieu où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. » Les chevaux noirs attelés à l'un des chars se dirigent vers le pays du septentrion, et les blancs vont après eux. Les tachetés se dirigent vers le pays du midi. Les rouges sortent et demandent à aller parcourir la terre. L'ange leur dit, « Allez, parcourez la terre. » Et ils parcoururent la terre. Il m'appela et il me dit, « Vois, ceux qui se dirigent vers le pays du septentrion font reposer ma colère sur le pays du septentrion. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Tu recevras les dons des captifs Eldaï, Tobija et Jedaéja, et tu iras toi-même en ce jour-là. Tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras de l'argent et de l'or, et tu en feras des couronnes, que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur. Tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Les couronnes seront pour Elem, Tobija et Jedaéja, et pour En, fils de Sophonie, en souvenir dans le temple de l'Éternel. Ceux qui sont éloignés viendront et travailleront au temple de l'Éternel. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. »